Le final de la deuxième symphonie de Mahler est basé, comme je l'indiquais tout à l'heure, sur une ode de Klopstock que Mahler avait entendue lors de l'enterrement de Hans von Bülow. Cette ode lui sert de matière première pour un texte qu'il va considérablement élargir et faire chanter à un chœur mixte, terminant ainsi sa symphonie en apothéose. Pourtant, le chœur, nous n'allons pas l'entendre tout de suite, mais seulement dans la deuxième partie de ce mouvement symétrique, où la première section, purement instrumentale, évoque clairement la mort, et la deuxième, la transfiguration par la résurrection de l'âme dans l'éternité. Une démarche qui fait écho à un vers chanté par le chœur, Sterben werde ich, zu leben. Je vais mourir pour vivre. Donc mon corps va mourir pour laisser mon âme accéder à la vie éternelle. Mais au-delà de l'évident programme religieux, j'ai découvert quelque chose que je trouve extrêmement exaltant dans ce final. Il me semble que Mahler y anticipe l'une des théories psychiatriques les plus fameuses et les plus influentes du XXe siècle. C'est le modèle Kubler-Ross, qui était mis en avant par Elisabeth Kubler-Ross et qui retrace les différentes étapes du deuil, qu'il soit lié à la perte d'un être cher ou à l'annonce de sa propre mort prochaine. Alors, petite mise en garde avant de rentrer dans les détails, Kubler-Ross a bien fait valoir que chaque deuil relève d'une démarche singulière et que ces étapes ne se déroulent pas nécessairement dans l'ordre indiqué ici. De même, toutes les étapes ne sont pas vécues par tous les patients. Chaque étape peut se manifester de manière plus ou moins forte, plus ou moins longue. Certaines personnes peuvent rester bloquées sur une phase sans terminer le processus. Bref, il ne s'agit que d'un modèle général qui n'épuise pas l'extrême diversité des démarches individuelles face au deuil. Selon cette psychiatre, le patient devant faire face à un deuil passera par différentes étapes, qui le conduira d'abord dans une dynamique psychique descendante, jusqu'à la dépression, avant d'entamer une remontée symétrique menant à l'acceptation et au retour de la sérénité. D'emblée, on constate que ce modèle en deux parties symétriques a une structure similaire à celle du final. Mais plus encore, on va retrouver chaque étape dans la musique, ce qui fait de Mahler non seulement l'un des grands compositeurs romantiques, mais également l'un des pionniers de la psychiatrie moderne, puisque, je vous le rappelle, la symphonie date de 1894 et la théorie du deuil de 1969, ce qui veut dire que Mahler a 75 ans d'avance sur la modélisation de la théorie du deuil par Kubler-Ross. D'ailleurs, les questions psychiques ne laissent pas Mahler indifférent, puisque celui-ci va bien des années plus tard, vers 1910, rencontrer Freud pour s'entretenir avec lui, entre autres, de ses problèmes de couple. Cependant, petite mise en garde avant de continuer. Mahler mêle ici, à mon avis, deux logiques. La logique religieuse, en deux parties, la mort du corps, la transfiguration de l'âme, et la logique psychique, lié au processus de deuil de sa propre existence. Mais le fait de mêler les deux implique que toute la partie ascendante, de l'acceptation à la sérénité et à la paix retrouvée, se déroule ici post-mortem, ce qui ne correspond évidemment pas au processus de deuil normal qui est censé se dérouler entièrement avant de rendre le dernier souffle. Précisons que Mahler ne suit pas intentionnellement un cahier des charges que lui aurait fourni la théorie du deuil, mais que c'est son expérience intime qui va le conduire à mobiliser une à une toutes les étapes qui seront mises en avant par cette théorie. D'où quelques inévitables déviations qui n'empêchent pas une extraordinaire corrélation entre les deux. La première étape, c'est le choc. Choc qui entraîne une phase de sidération, de déstabilisation intense, sans quoi le travail de deuil ne peut pas s'engager. Il se manifeste par un élément dans la musique qu'on a déjà entendu dans un mouvement précédent. C'était l'accord le plus à même de transmettre cette idée, l'accord du cri d'angoisse de la fin du troisième mouvement. La deuxième étape, c'est le déni, le refus, la négation. Ça ne peut pas m'arriver à moi, pas maintenant. Vous vous trompez.
C'est une manière de rejeter la souffrance en faisant fi de la réalité. Ça prend dans la symphonie la forme d'un appel de corps, très lent, dans l'immensité, dans le silence, dans la solitude. À quoi ne répondent que des bruissements mystérieux et funèbres. En somme, le corps demande « Je vais vivre, hein? » et clairement, il n'obtient pas la réponse qu'il voulait. Suit la troisième phase, celle des questionnements, durant laquelle apparaît un nouveau thème. Le thème que nous allons entendre ici est issu d'un chant grégorien intitulé Dies Irae, ce qui se traduit par jour de colère. C'est le jour de la mort, le jour du jugement dernier, avec une certaine dimension apocalyptique. C'est la fin du monde, c'est la fin du monde de celui qui meurt. Ce chant médiéval est l'une des grandes stars du romantisme, parce que depuis que Berlioz l'a utilisé dans sa symphonie fantastique en 1830 pour accompagner une assemblée de monstres et de sorcières, cette mélodie est devenue, dans l'imaginaire romantique, le thème officiel de la mort. On reviendra dessus beaucoup plus en détail lors de la séance consacrée à la rhapsodie sur un thème de Paganini de Rachmaninoff, qui utilise elle aussi le Dies Irae. Mais toujours est-il que Mahler l'a utilisé à deux reprises, mais sous une forme un peu modifiée. La mélodie est tellement connue qu'il suffit d'en citer les quatre premières notes pour la reconnaître dans Das Klagen de Lied. Dans cette symphonie, Mahler n'utilise également que les quatre premières notes, puis les trois premières seulement, mais la parenté n'en est pas moins évidente. Mahler étend cette évocation sur environ 8 minutes, avant de passer à l'étape suivante, le marchandage, une phase de négociation, de chantage. On veut encore être maître, on veut encore échapper à l'inéluctable. Le marchandage prend ici la forme d'une sorte de combat militaire entre d'une part le thème issu du Dies Irae, transformé en marche, et d'autre part un autre thème, qui n'est autre que le thème le plus important de ce mouvement et de toute la symphonie. C'est le thème de la résurrection.
Il est facile à reconnaître parce qu'il a une quinte descendante. Puis ensuite une montée conjointe pour rejoindre la note initiale. Si je l'appelle le thème de la résurrection, c'est parce que tout à l'heure, le chœur va le chanter sur le vers que je citais, Sterben werde ich, um zu leben. Toute la raison d'être de ce final est donc concentrée à l'intérieur de ce thème, d'où son importance. Il est d'ailleurs déjà esquissé tout de suite après le choc, mais c'est au stade du marchandage qu'il va prendre force contre le thème du Dies Irae. Cette confrontation, elle avait déjà eu lieu, comme un avant-goût, comme une anticipation, il y a environ 1 heure, dans le premier mouvement, au moment où la marche funèbre s'est transformée en marche militaire. Et comme dans le premier mouvement, c'est la mort qui a le dessus dans le marchandage, elle a toujours le dessus. Ça va mener à la dernière étape de cette dynamique descensionnelle du processus de deuil, c'est la dépression. Dépression qui prend forme grâce à un nouveau thème, le thème de la plainte. Alors pour faire un bon thème de plainte, l'idéal c'est de répéter sans cesse un demi-ton descendant, qui met l'accent sur la première note, et plus on y met l'accent, plus on répète cette figure, plus la plainte est plaintive. Ce thème de plainte, elle avait déjà connu un précédent dans ce mouvement entre deux développements du thème du Dies Irae, mais c'est ici qu'il prend toute sa consistance, d'autant qu'il est présenté avec un effet théâtral impressionnant. Ce sont, selon les dires de Mahler, les trompettes de l'Apocalypse qui résonnent. Il est temps de mourir. Alors, une fanfare, d'abord très loin dans les coulisses, se fait entendre, et de plus en plus fort, en alternance avec le thème de plainte, pour arriver sur le devant de la scène. Selon moi, c'est le moment précis de la mort. Ça mène à un retour symétrique du début du mouvement, on touche le fond, on ne pourra plus que remonter.
puis le retour symétrique du début est à peu près exact, jusqu'à ce qu'à l'appel répondent des chants d'oiseaux, qui sont à la fois les derniers échos de la vie terrestre et un symbole d'espoir. C'est alors qu'entre le chœur, sous la forme d'un choral, donc vertical, harmonique, homophonique. Il est susurré triple piano. Le texte indique que nous sommes dans une nouvelle phase, la première de la dynamique ascensionnelle, l'acceptation. Lève-toi. Oui, tu te lèveras à nouveau, ma poussière, après un court repos. La vie éternelle, celui qui t'a appelé, va te la donner. La deuxième strophe qui suit se présente sous une forme analogue. Tu es semé pour fleurir à nouveau. Le Seigneur de la récolte marche à grands pas et rassemble les gerbes. Remarquez que même si entre la première et la deuxième grande partie on a affaire à deux sections symétriques, ici Mahler s'écarte du matériau de la première partie qui aurait dû être consacré au Dies Irae, lié à la mort. On a donc vraiment affaire à deux volets, la mort et la transfiguration. Le choral du Dies Irae est devenu le choral apaisé basé sur le texte de résurrection. Puis suit le pardon. On pardonne aux souffrances, à ce qui les ont causées. On pardonne aux auteurs de la perte. L'alto solo, puis la soprano solo, sur le thème de plainte, évoquant justement ces souffrances qui font l'objet du pardon, chante « Oh, crois, mon cœur, crois, rien ne sera perdu. Ce que tu as désiré est à toi ce que tu as aimé. » Ce pourquoi tu t'es battu. Oh, crois, tu n'es pas né en vain, tu n'as pas vécu, souffert pour rien. Puis le chœur, à nouveau dans une écriture de chorale, introduit la nouvelle étape, c'est la quête de sens. C'est l'étape de la révélation du cadeau caché, le moment où on reconnaît et accepte que le deuil a permis de faire, d'envisager les choses non envisageables dans l'ancienne situation. Ce qui est né doit disparaître, ce qui a disparu doit renaître. Arrête de trembler, prépare-toi à vivre. C'est alors que commence un gigantesque crescendo, c'est la dernière étape. L'étape de la paix retrouvée. On accueille la mort avec sérénité, on est prêt à mourir, on s'ouvre vers l'éternité. Ô douleur, toi qui pénètres tout, je suis arraché à toi. Ô mort, toi qui conquiers tout, tu es vaincu enfin. Avec les ailes que j'ai gagnées dans une lutte ardente pour l'amour, je m'élèverai vers une lumière qu'aucun œil n'a jamais vue. Avec les ailes que j'ai gagnées, je m'élèverai, je vais mourir pour vivre. Lève-toi, oui, tu te lèveras à nouveau, mon cœur, en un clin d'œil. Ce que tu as vaincu à Dieu te portera. Toute la fin de la symphonie est absolument dominée par le thème de la résurrection qui résonne enfin dans toute sa splendeur, aussi bien au chœur qu'à l'orchestre. Thank you.
Yeah.